J'ai été éducatrice de jeunes enfants pendant 30 ans et amoureuse des livres, j'ai découvert il y a une dizaine d'années que de nombreux livres étaient destinés à la déchetterie, ce qui pour moi en tant que littéraire ça m'insurgeait. Donc j'ai découvert l'art du pliage de livres. Je pars de livres très abîmés, voilà, qui sont plutôt destinés à être jetés. Et donc même un livre comme celui-là, je peux en prendre une partie, je le découpe, j'en fais des petits bouts et après j'en fais des objets de décoration. Pour un petit hérisson, je fais sur 5 cm sur 4, parce que je vais pouvoir dans un seul et même livre pouvoir en faire plusieurs. Une fois que j'ai pris mes mesures, je n'ai plus qu'à découper. Et voilà mon petit hérisson à l'état brut. Après, je vais pouvoir plier page par page de former le hérisson. Et moi, je sais que je suis un peu perfectionniste. Il a même sa petite queue derrière. Alors, certains disent que c'est une souris, donc c'est un grand débat, souris, hérisson, à chacun son. Mais sur les petits hérissons comme ça, c'est pas ce qui me prend plus le temps, c'est les finitions. Je peux aussi ne pas les découper et garder comme le carrousel la reliure qui est derrière. Ou celui-là, je garde le livre en entier. Il y a juste les pages à plier et ça va prendre la forme tout seul. Donc c'est vrai que ça demande de la patience. Et en plus, j'aime bien que les choses soient bien finies.